Bienvenue à l'atelier Sennelier. Hi and welcome to the Sennelier Atelier. Bonjour, bienvenue pour ce live consacré à l'aquarelle. Hi and welcome for this live dedicated to the watercolor. We will paint with the Sennelier, la petite aquarelle. Nous allons peindre avec la petite aquarelle de Sennelier. This. But first thing, I'm not alone. We are waiting for Veronica. J'attends Veronica. Et puis, je ne suis pas seul, je suis avec Caroline. Caroline, hello. Hi. I'm Caroline. So, Caroline, welcome. Thank you very much to be here with us. We're going to paint together with you. And I think there is more people that may join us. Il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre normalement. So, where are you, Caroline? I'm in Springfield, Illinois. So the song is not very clear. Il y a un petit problème de son, mais on verra ça après. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, il y a Véronica qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Véronica. Bonjour, ça va? Très bien, et vous-même? Oh, très bien, merci beaucoup. Très heureux de vous voir, comme toujours. Ah, merci, c'est gentil. Mais moi aussi, je suis très heureux de vous voir, Véronica. I'm very happy to be with you, Véronica. Il y a Tuyette qui est avec nous, qui nous rejoint. Alors, par contre, sa caméra ne semble pas activée. Tuyette. Un petit commentaire, s'il vous plaît. C'est très important. Si vous nous rejoignez à l'écran, vous devrez avoir désactivé le son sur Facebook ou YouTube, etc. Sinon, nous entendrons également le son de n'importe quel autre canal sur lequel vous avez regardé le live. Comme il y a un décalage entre l'enregistrement et la lecture du live, ils ne seront pas synchronisés les uns avec les autres. Alors, c'est très important. Okay, so thank you very much for this. So perhaps if you may tell it in English. Yeah, too. I was just saying, if you join the live, please turn off the sound on Facebook or YouTube or whatever channel if you also have it on your computer on that, because there's a time lag between the restream where you're on screen and the other ones. If you don't deactivate the sound on the other ones, you'll get them superimposed on top of each other. So only have this, if you're on restream on screen with us, only have the sound on that. Turn it off on any other thing that you have it on, or just simply turn off whatever the channel, please. Ok, très bien. Merci Véronica pour ces précisions. Donc, si vous êtes à l'écran, coupez les autres sons sur les autres lignes sur Facebook ou YouTube. Thank you, Véronica. Just like to know if Toyette, do you hear us? We can't see you. We can't hear you. On ne peut pas vous entendre, Toyette, qui nous a rejoint là, mais c'est le petit rectangle noir. Il faut activer la caméra. Et activer le micro. You have to open the microphone and the camera if you want to be at the screen with us, of course. On reviendra sur Toyette un peu plus tard si jamais il nous rejoint. Alors, on va commencer parce qu'on est là pour peindre. So, we will start because we're here to paint. And we will paint this with watercolor. Et aujourd'hui, nous allons peindre ça. Avec l'aquarelle, vous avez le lien pour télécharger. You have the link to download this image. So you see, we will make big wash. On va faire des grands lavis. Et puis, on va jouer avec des nuances très subtiles. So it's very light shades. It will be fun. We will have fun. I hope so. And your numerous, je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. You are many joining us. So that's very good. Let's start. You know, today there is a giveaway. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un giveaway. A giveaway. This is you have a chance to win this watercolor box. This is this one. You have a chance to win this watercolor set. Vous pouvez gagner aujourd'hui cette petite boîte d'aquarelle. C'est la petite aquarelle. La petite aquarelle de Sennelier, c'est la gamme fine de Sennelier. This is the student grade range of watercolor by Sennelier. La petite aquarelle. This is this set. You see this set with a strap at the back. There is this strap, very
handy and very practical. Il y a cet élastique au dos. Et puis, voilà, c'est une boîte de 12 couleurs que vous pouvez gagner pendant ce live. Et alors, comment la gagner? Oh, you can win it, how to win it. It's very easy. You just have to paint with us. And at the end, you share your artworks with the Sennelier Monday Live hashtag on social networks. Vous peignez avec nous et puis à la fin du live, eh bien, vous partagez vos œuvres sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sennelier Monday Live. Moi, ça me permet de voir ce que vous faites. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous faites. Et puis, c'est bien de voir les différentes versions de cette aquarelle. So I can see what you do. So just to take part in the draw, just have to publish your artworks on social networks with Sennelier Monday Live hashtag. Just to finish about la petite aquarelle, juste pour finir à propos de la petite aquarelle, il y a aussi une boîte de 24 demi-godets comme celle-ci. There is also a 24 half-pan set like this one. You see, hop, it's not a mess inside. J'espère que c'est pas trop le bazar. Hop, quand on les a pas encore utilisés, ça peut bouger à l'intérieur, mais une fois qu'on les a utilisés une première fois, ça bouge plus. Et puis, une boîte, and there is also a 12 tubes, 10 ml tubes. Et puis, il y a aussi une boîte de 12 tubes de 10 ml. Voilà. Ça aussi est également équipé de ce petit élastique. That's all. C'est tout. Pour le matériel. That's all about material. The paper I will use is the Sennelier watercolor paper. Le papier que j'ai utilisé, c'est le papier aquarelle. Le papier aquarelle Sennelier, papier artiste pur coton. You see, this is a pure cotton watercolor paper. Good paper. And I will use this new Raphael brush. Donc, j'ai utilisé le papier pur coton Sennelier et ces pinceaux imitation Kolinsky de Raphaël. C'est nouveau, des nouveaux pinceaux imitation Kolinsky. This is new brush by Raphaël. Synthetic Kolinsky. Synthetic Kolinsky. They are called, in fact, it's not written on it. They are called Stradivarius. Ils sont appelés, c'est la gamme Stradivarius. Alors, pour l'instant, ce n'est pas noté dessus, c'est surprenant. Mais je crois que ça va venir. Ils ne les ont pas encore notés Stradivarius, mais ils appellent la gamme Stradivarius. Et ce sont des pinceaux en marte Kolinsky qui ressemblent vraiment beaucoup à de la marte Kolinsky. Pardon, ce ne sont pas des pinceaux en marte Kolinsky, ce sont des pinceaux synthétiques imitation marte Kolinsky. So this is not Kolinsky, this is synthetic Kolinsky. So this is synthetic brush. And they are very good. Very, very good. They really look like Kolinsky. Alors, il y a Tuyette qui me demande comment ouvrir comment nous rejoindre, mais là, ça va être un peu compliqué de donner toutes ces explications. So, let's start. We will make a first sketch. D'abord, nous allons faire une petite esquisse avec un crayon graphite. Une petite esquisse. Alors, look at this. What I'm going to do, you know, there is this paper. I will paint the exact... Exactly the same size. Je vais faire une réalisation qui va être exactement la même dimension. Square one. À l'échelle 1, par rapport à cette image, vous voyez, je vais délimiter comme ça avec ce. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai ma feuille qui a exactement le même support. Et puis, je vais faire une petite esquisse. Une petite esquisse. So, a quick sketch. But very, very quickly. Mais très, très rapide. Hein. Comme vous savez... L'image est ici uniquement pour nous inspirer. As you know, we always use the image only to be inspired by. That's...
C'est uniquement une source d'inspiration. Donc, on fait une esquisse très, très rapide. On ne perd pas de temps à faire l'esquisse. We do not waste any time making the sketch. So it's a graphite pencil. Donc c'est un crayon graphite HB. HB. H for hard and B for bold. Le H qui signifie bold et le hard et le B qui signifie bold. Et plus ils sont gras, plus il y a de graphite dedans. Et plus ils sont secs, plus il y a de l'argile. C'est un mélange d'argile et de graphite, ces crayons graphite. Pardon, il ne faut pas que je me mette au-dessus de la caméra. Alors merci Véronica pour votre aide, pour aider Toyette à nous rejoindre. Thank you Veronica for your help. Veronica is trying to help Toyette, so Toyette can join us. But I think it's not easy. Et c'est pas l'air très simple. Voilà, bon, petite esquisse comme ça. Il y a quelques maisons sur le bord là. Et puis à l'arrière-plan, il y a des collines et des montagnes. And at the background, there is mountains and hills. Ici. Voilà. A quick sketch. Very, very quick. Hein, on fait une esquisse très rapide parce que ça fait déjà presque un quart d'heure que nous sommes ensemble. There is half, a quarter of an hour. We are all together. 15 minutes. We are all together. We are. So, time flies as usual. We have 45 minutes left to paint. I think it would be okay, but we will need the magic air dryer. Je crois que ça va être suffisant, 45 minutes, mais on va avoir besoin d'un sèche-cheveux pour activer le séchage, parfois, entre les couches, les superpositions. À l'aquarelle, up to me, on travaille du plus léger, donc du moins pigmenté, avec le maximum d'eau. Ensuite, on superpose les couches et on renforce le contraste. So, from up to me, I'd like to paint watercolor with a diluting wash. And after that, we add pigments and more pigments, and we create the values. We create the contrast, adding more and more and more pigment. So we need the air dryer between each coat. Okay, can we go? Can we start? Hi, Leanne from Australia. Gigi, don't have any air dryer. Oh. Okay, so you are from all over the world, and we are we are 367. That's very good. Thank you very much. Very happy. Very many, very numerous. That's very good. Let's start painting now. Alors, nous sommes très nombreux là. Nous sommes 367. Ça, c'est formidable. So I will use this watercolor set, as I told you. This is student grade. It's made in France. Enfin, ce sont des student grade, c'est l'aquarelle fine qui est fabriquée en France. First thing, we'll make a wash. So I use this brush, the big brush. You see, this is that one. And we will make a kind of first coat, first wash with yellow and green. On va faire une sorte de premier lavis
un peu jaune, orangé. Il y a des teintes un peu, c'est très très subtil. Hein. C'est jaune, c'est orangé, il y a du parme. There is yellow, orange, purple, green. That's very light shades. Blue. It's not easy. Oops. Let's try. On va essayer. Au début, très peu. Beaucoup d'eau. Lot of water. Very small quantity of pigment. Très peu de pigment. Beaucoup d'eau. On va essayer de conserver le blanc des voiles. We will try to keep the white in the sail of the boat sail. Les voiles, c'est bien sel, hein, Véronica. Vous qui aimez la voile. Oui, oui, je l'adore. C'est très joli, ce bateau-là. Ça semble être un lac, hein. Donc, sois si calme. Donc là, les nuances sont à peine perceptibles à l'écran, je pense, parce que c'est vraiment très, très léger. So, shades are very, very light. So, I think it would maybe difficult to see them at the screen. But you see here, there is some yellow shades. Il y a vraiment des nuances très légères. Un petit peu de jaune mélangé à du vert. Very light. C'est un peu un effet de brume. Hein. Voilà, on a juste 12 couleurs, mais on peut faire beaucoup de choses avec 12 couleurs. There is only 12 colors in this set, but we can do many, many things with. C'était vous qui a désigné la boîte de la petite... Oui, 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 parce que moi, mon premier métier, c'est le design, le produit, et oui, j'ai fait le dessin, merci, Véronica, de cette boîte. J'ai eu la chance, on m'a demandé de dessiner la boîte d'aquarelle. Moi, je trouve que c'est très utile, l'élastique. Ah oui, l'élastique, c'est un point de différenciation. Vous voyez, quand on fait quelque chose chez Sennelier, on essaie toujours d'avoir une petite idée pour se différencier. Et c'est vrai que c'est plus confortable. Oui. Il y a des nuances un peu orangées sur l'eau. There is orange shade on the water of the lake. Ce sont des nuances très très légères. Hein? Alors, Toyette ne peut pas nous rejoindre, c'est ça? J'ai l'impression. Ah non, non, il est en train de dessiner. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait un premier lavisson. So here, I've done a first wash on the full paper. The full paper, the full size, I've made this first wash. I don't know if you can see it at the screen because of the light. I don't know if you can see, but I cover
I make the first wash. J'ai fait ce premier lavis sur l'ensemble. L'aquarelle, c'est vraiment comme ça. On va travailler sur l'ensemble et ensuite, on va venir ajouter et on va créer le contraste. On va créer des superpositions. Ça, mais c'est vraiment... On commence pas, enfin moi en tout cas, par un petit coin pour finir par un autre, mais plutôt travailler sur l'ensemble avec spontanéité. Et puis ensuite, on attend que ça sèche et on ajoute. So far up to me. My way to paint watercolor is to paint the full paper in the first wash, create the shades, adding light touch of pigments. And after that, we add more and more and more coats and more pigments. And we create the shade, we create the contrast, we create the values. I hope I clear. So, bon, on va accélérer le séchage. We will use an air dryer, magic air dryer, to fasten the drying process. Oops. Hello, Toyette. Hello, we can hear you. Excellent. Oh, elle a désactivé le son pour le moment. Ah, comment on peut faire? Ce serait... Hello. Bon, mais écoutez, on ne va pas pouvoir savoir où elle est, où elle se trouve. Where are you, Toyette? I'm in Taiwan now. In Taiwan. Did you hear me? It's very, very far. Let's see. So, where are you? I'm in Taiwan. At Taiwan. Okay, that's good. Yes. Happy to see you and happy you are with us. So, let's paint. That's good to be with us. And you... Just have a look with Caroline in United States, and she make a very nice wash. Caroline, everything is okay for you? Yes. Caroline qui est aux États-Unis fait un très beau, très très beau lavis. Là, on voit toutes les nuances. Elle avance bien. Elle utilise un pinceau lavis. She use a mop brush, and it looks good. It's a squirrel. And Toyette n'est plus avec nous. Ben voilà, tant pis. Bon, ben écoutez, on la verra plus tard. On va la retrouver. Donc voilà, donc on a fait notre lavis et on va maintenant pouvoir continuer. So we have made our first wash and we will continue. We continue now. Painting. Let's go and we will add a little more pigments here. You see this? This line here. So we continue using this the big brush. Donc on va continuer l'utilisation à utiliser un pinceau. Le pinceau, il est où? Voilà ce pinceau là pour créer cette zone, ces montagnes au loin. The mountains in the background. So we add a little bit more pigment. Donc, c'est un peu bleuté. Peut-être. Mais très, très peu de... Très, très peu de pigments. Vous voyez? Thank you.
Et avec, on peut enlever un peu d'eau là, stomper un peu. Voilà. Faire pareil en partie en zone un peu supérieure ici aussi. Voilà. Vous ferez le giveaway le mercredi ou le jeudi prochain? Oui, c'est ça. Voilà, on peut faire ça jeudi. Ok, merci beaucoup. Hein, pour participer au giveaway, n'oubliez pas de peindre en même temps que nous. Mais vous pourrez continuer un petit peu cette semaine. On fera le tirage au sort en fin de semaine. Nous le ferons jeudi. Et pour participer, tout ce que vous devez faire, c'est partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux, avec le hashtag Sennelier Monday Live. Comme d'habitude, hein, on fait beaucoup de giveaways comme ça, à chaque fois, tous les lundis ou presque. Alors, ce n'est pas tous les lundis, mais on fait vraiment très, très régulièrement des giveaways. Oh, le giveaway que vous avez fait avec Thierry Duval du boîte de rêve de vient de se terminer là. Hein? Alors là, c'était sur Instagram, un giveaway très particulier avec Thierry Duval. Et là, il y a Leslie qui a eu la chance de remporter ce giveaway et donc ce coffret de 100 tubes d'aquarelle. Alors là, c'est exceptionnel, un giveaway de cette. Ouais. C'est très, très exceptionnel. Voilà, j'ajoute un tout petit peu de par endroit là, de pigment pour renforcer un petit peu. So I reinforce the contrast by adding pigments. Et nous sommes plus de 400. We are more than 400 following this live. That's very good. Thank you very much to be here. Merci à vous d'être là. Suivre ce live du lundi, ce Monday Live. Aujourd'hui, nous peignons à l'aquarelle avec la boîte La Petite Aquarelle, la gamme fine de Sennelier, et nous réalisons une aquarelle très, 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 très légère. Avec des nuances très subtiles. Voilà. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. I hope everything is okay for you. Let's see. So, Toya, she's no more with us. And Caroline, it sounds good. Voilà, bon, alors on continue. Je vais peut-être sécher encore un peu. J'ai encore utilisé le air dryer. I will use the air dryer one more time. Et on continue. We continue the process exactly the same way. We still have half an hour. Nous avons une demi-heure.
Ludin a commenté, waouh, plus de 400, stimulant de travailler en groupe à l'aveugle. De travailler en groupe comme ça. En groupe, ah ben oui, c'est ça amazing l'idée. Amazing that was for over 400 of us online. So cool. C'est ça l'idée. Et si vous voulez vous aussi nous rejoindre, eh bien c'est possible, hein. On fera ça désormais. Si vous voulez peindre avec nous, eh bien vous nous le dites et nous, nous vous envoyons un petit lien qui vous permet de nous rejoindre. If you want to paint with us, it's very easy. You just have to follow a link that we will send to you. Je prends quelques libertés avec les teintes, mais c'est le but de la peinture, hein. Il y a ces nuances-là très, très claires. Le vert anglais est parfait pour ça. There is a light green. Perfect here. We can add yellow shade. On peut ajouter un peu de jaune dedans. J'exagère un peu les teintes, mais volontairement, pour créer un peu plus de dynamisme. Voilà. Et puis sur cette partie gauche là, on voit qu'il y a un reflet bleuté. So in this left area here, we can see a blue reflect of the hill, of this hill just here. So I will add blue pigment, a mix of blue and just a little touch of green. Just to get this shade. Alors, ce pinceau Stradivarius est parfait parce qu'il me permet de faire des lavis et aussi des lignes très fines. So, with this Stradivarius brush, I can do big wash, but also very precise lines and details. That's interesting. That's perfect.
It's very close than with a real Kolinsky brush. It's not a real Kolinsky brush. It's synthetic brush, but the capacity of catching the colors and it's very interesting. There it is. That's the reflex. Just going to new shapes. Okay, on the water, we can see there is some here orange reflect. Il y a des reflets orangés dans les voiles sur l'eau ici. On pourrait peut-être les faire déjà. Je vais les faire, je vais les exagérer un peu. Puis un reflet très, très léger orange dans les voiles. Under a reflect, very light reflect in the cell. Orange in the cell here. But very, very, very light. Très, très léger. On va le faire aussi. Donc là, beaucoup d'eau, mais une toute petite pointe d'orange. Voire même un peu, avec un petit peu d'eau... légèrement teinté. Il faut garder la luminosité du papier, hein. Ça c'est toujours l'aquarelle. Donc une toute petite pointe. Ok. Ok. Ok, bon, we have 20 minutes left, il nous reste 20 minutes, j'espère que ça se passe bien pour vous, I hope everything is okay for you. Do not forget to take part in the draw for the giveaway and a chance to win a petite aquarelle set. This is the watercolor, the Sennelier watercolor, made here in France, very good quality, that's student grade, that's fine. Quality, but that's very good quality. And how to win? You just have to share your artworks during this week. You just have to share your artworks on your social networks with the Sennelier Monday Live hashtag. You know, the hashtag Sennelier Monday Live. Donc, n'oubliez pas de participer au giveaway, au tirage au sort pour la chance de gagner cette magnifique boîte de 12 godets. D'aquarelle fine Sennelier, une aquarelle qui est fabriquée en France ici et qui est de très bonne qualité. C'est une qualité fine, c'est pas l'extra fine, c'est la fine, mais c'est une très très bonne qualité d'aquarelle. Et donc pour participer, vous n'avez qu'à partager vos œuvres sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux, sur Instagram, sur Facebook et avec le hashtag Sennelier Monday Live. Voilà. Bon, ça, c'était pour m'occuper, pour faire une petite pause. Le temps que ça sèche un peu. Alors là, c'est en plus en train de migrer dans tous les sens. Ouh. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Et là, l'eau que j'ai mis dans les voiles a fait migrer les pigments. Et ici, je vous montre. L'eau que j'ai mis dans les voiles ici a fait migrer les pigments ici. Bon, c'est pas grave. The water, I had in the cell here, I've pushed the pigment here, but that's not a problem. So perhaps we will dry this area if we want to add the details of all these houses. Peut-être qu'on devrait sécher cette zone là, ici, bien que bon, c'est à peu près sec. Si on veut ajouter les détails de ces maisons. If you want to add the details of this house. C'est à peu près sec. On y va. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. So, I will take a pencil.
take a smaller brush. A flat brush, why not? Yes, j'ai utilisé un pinceau plat. Pourquoi pas? Le pinceau plat est pratique quand on veut faire des maisons, parce que souvent, une seule application va suffire à faire, à faire la maison. The flat brush is sometimes useful when you want to make an application like this. Oh, that's practical. C'est un peu léger là en pigment là, ce que je viens de faire. Ça va pas suffire. C'est très léger. C'est trop léger. I need to add more pigment. I have to add more pigment. That's very light. Too light. So I will add more pigment. Weird colors like this. Là, je fais un mélange pour essayer de trouver cette teinte qui est un petit peu indéfinissable. Ou les ink brush ou les aquarelles iridescentes seraient très bons pour l'eau aussi. Oui, alors on pourrait utiliser effectivement les ink brush comme ça, si on souhaitait. Ah, vous les avez là. Ah oui. Ouais. Oh. Oui. Et c'est vrai que ça peut être utile pour faire des détails. Ça se mélange très bien à l'aquarelle. So it's true that we can use ink brush to add details. Et les tubes aussi des nouvelles aquarelles iridescentes. Oui, alors ici, on n'a pas vraiment de couleur métallique sur cette... Mais on peut créer des effets. On peut toujours créer des effets. So there is iridescent colors also. This is in the artist range. Here we are using, it's not the artist range, this is the fine range. Chérie, elle a commenté, Monsieur Salançon, j'utilise votre live pour étudier le vocabulaire des artistes en français. C'est super pour ça. Merci. Très bien. Sherry was commenting that she uses the lives for improving her French vocabulary as well. Thanks, Sherry. Moi, j'utilise le live pour essayer d'améliorer mon anglais, mais j'ai encore des progrès, mais ça me permet au moins de le pratiquer un peu. Voilà, donc là, on renforce un petit peu la... On renforce notre peinture, on crée du contraste, on ajoute des pigments. So we add more pigment and we add contrast. We do not add
many details for the moment. On ne met pas trop de détails pour le moment. C'est juste... on rajoutera ensuite encore davantage de détails. Dans des limites, des zones, où, voilà, on matérialise des endroits où il y a des arbres, des maisons, des arbustes. Voilà. Les Stradivarius, ils ne sont pas encore commercialisés. Ils ne sont pas encore... parce qu'on n'a pas les trouvés dans les catalogues. Vous savez... je crois que maintenant, ils sont, on peut les trouver dans les... en magasin, je pense. Okay. Alors, c'est le début. Hein, mais c'est le début de la commercialisation de ces pinceaux. Ils sont vraiment tout neufs. Tout, très récent, cette gamme de pinceaux Stradivarius. Ce sont des pinceaux très récents de chez Raphaël. Mais je crois qu'on peut les trouver. This is very new brush, Raphaël brush, Stradivarius, synthetic Kolinsky. But I think that you can find it and you can find it in shops now. I'm just showing some of the shapes. Okay. Ah, yes, you have your, yes, there is different shapes. That one, you see? Yeah. This one is interesting, oh, yeah, too. Of course. I forgot to include that one. Sorry. Okay. So, magic air dryer. Un petit coup de sèche-cheveux. Voilà. So, and what I see that we just have 10 minutes left. Il nous reste juste 10 minutes. Et ça va être bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des détails. We will add more details, you see. It will be okay, but we just have 10 minutes and we will to add more details. We need to add more details here in the houses, you see, just to structure the houses. And we need to paint the boat. So, 10 minutes to do that. Donc, il nous reste 10 minutes pour structurer un petit peu ces maisons, ajouter du détail. Et parce que pour l'instant, c'est un fond, c'est un peu flou. Donc, on y va. Vous voyez, c'est renforcer un petit peu la structure. Il ne faut pas que je mette au-dessus. Quelques lignes.
lines, shadows, quelques lignes, quelques ombres qui vont vraiment renforcer, je veux dire, la compréhension et la lecture de ces maisons. J'espère que tout se passe bien pour Caroline aussi. Et puis, je suis déçu pour Tuyette qui nous a rejoint, mais qui ensuite a disparu, qui était à Taïwan. Tuyette said she hopes she can show her finished painting at the end. She's nearly finished. Okay, so... We can see, you see, do you think at the end we can see Toyette's artwork? She will join us? Yeah. Est-ce qu'elle va nous rejoindre à la fin du live pour nous montrer ce qu'elle a fait? C'est tellement intéressant de savoir qu'elle était en train de peindre à Taïwan pendant que Caroline peint aux États-Unis. Pas trop, pas bien compris où d'ailleurs, mais exactement aux États-Unis. Véronica, vous avez compris où se trouve Caroline? Non, je n'ai vu rien sur Caroline. Non, parce qu'en fait, ça a coupé quand elle nous expliquait où elle était exactement. Oh. Ça a coupé un peu et je n'ai pas bien saisi. Et donc là, je renforce le contraste. Avec différentes teintes. Voilà, les maisons qui se trouvent arrière-plan. Et puis, nous allons maintenant nous attaquer à ce bateau. So we're going to paint the boat. Il y a d'abord ces ombres-là très intéressantes dans cette partie plus sombre ici dans les voiles. Claude was saying she likes the effect that's created by the houses. Merci, c'est très gentil. Ouais. And Katie said she really enjoys being here. She loves her paints and loves the journey of learning watercolor.
Alors aujourd'hui, on va particulièrement vite, mais vous voyez, là, j'ai mis trop d'eau et trop de pigments. So I will remove. Je vais enlever un peu. J'assèche le pinceau et je vais aspirer. Hop, vous voyez. En asséchant le pinceau, hop, j'aspire. Et là, on voit la capacité d'absorption de ce pinceau. J'ai aspiré les pigments. Maintenant, je vais en rajouter. J'en avais trop mis. Donc, je l'ai un peu enlevé. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et puis, il y a des nuances légèrement violettes dans les voiles ici. And Carol said this has been a good lesson in mixing color and loose painting. Thank you. C'est très gentil. Merci. Il nous reste 3 minutes. We do have 3 minutes left. Just to add. That's paint gray, I think. That's not a black here. That's a paint gray. Ici, c'est un gris de peine, il me semble. C'est pas du noir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, puisque le noir est toujours très difficile à travailler. Un gris de peine. Ouais, moi, je suis sur un papier torchon, c'est très difficile de faire des choses trop très précises. Là, je vais un peu trop vite, alors j'ai des pigments qui vont migrer dans la voile. Dominique a dit. Merci de prendre le temps de lui montrer comment procéder en posant trop de pigments. J'avais observé des peintres, mais ici c'est clairement dit. Et je suis ravi que ça lui plaise. Merci. Oh, et Ludo a posé une question. Est-ce que la direction du trait de pinceau est importante en aquarelle comme il est pour le pastel? La direction du pinceau. Ouais. La direction du pinceau. Oh, j'écrirai le lien pour le site de Raphaël parce qu'ils ont beaucoup de démonstrations là. Ah oui, sur le site, effectivement. Yeah. Merci. Et alors là, j'ajoute quelques petits détails. I add few details. Just to... We do not need a lot of details, but just a few. On n'a pas besoin de mettre trop de détails, mais juste quelques-uns pour renforcer un peu l'aspect réaliste de l'aquarelle. Quelques chiffres là. Few details. OK.
Okay, that's difficult to make more in this hour. Bon, c'est difficile d'en faire plus en une heure. Peut-être que j'y reviendrai un petit peu pendant la semaine si j'ai un peu de temps. Je vais faire comme vous. Je vais me laisser un petit peu de temps pour participer au giveaway. Donc, je vais me laisser jusqu'à jeudi pour participer au giveaway. Je vais faire comme vous. N'oubliez pas que vous pouvez participer au giveaway en partageant vos œuvres sur vos réseaux sociaux ou sur le site Sennelier, ou sur le réseau, sur le Facebook Sennelier, avec le hashtag Sennelier Monday Live. So do not forget that you can take part in the draw for the giveaway, for a chance to win this set of watercolor, la petite aquarelle. You just have to share your artworks on the Sennelier Facebook, on your Instagram, on your Facebook, and with the Sennelier Monday Live hashtag, Sennelier Monday Live. Thank you very much to be here. So I'd like to see Caroline. Caroline. Hi. Hello. So can we see your artwork? Ooh, that's very good. In 1 hour. Congratulations. En une heure, voilà, ben, très bien, bravo Caroline, elle a réussi à faire ça aussi en une heure. C'est très bien. It was very quickly, no? Yeah, it went very quick. Wow. I enjoyed it very much. Yes. Thank you very much. We are happy to be to paint with you. That's very good. And thank you very much to share your time and your artwork with us and to be here. I hope that many other artists will join next week for the new Monday Live next week, and we'll do the same thing as you. And so if you want to join, if you want to do as Caroline, feel free to send me an email, and we will send you a link so you will be able to join, such as done Caroline, and she has painted this amazing watercolor with us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Caroline. It was very fun. Thank you. Et puis, il y a Tayat qui était à Taïwan, mais c'est toujours l'écran noir. Tayat, it's still the black. Yes, it's always the black screen. No, Tayat, you're here, Tayat. Sorry, you're here. Oh, hello. Okay, that's you here. Thank you very much. So you painted. Donc, Toyette était à Taïwan et elle a fait cette aquarelle de son côté. On ne la voyait pas peindre. Mais ça, c'est son aquarelle. Bien, bravo. Bravo beaucoup. Bon, pardon. Bravo beaucoup. Je dis n'importe quoi. Bravo, Toyette. Et félicitations. Félicitations pour cette aquarelle. Thank you to be here with us. And thank you. Congratulations for your paint. That's very nice. So you were with us, you were in the black. We do not see you painting, but you have painted. That's good. Thank you very much. Donc, il y avait Carol. So I hope to... Voilà, bon, elle est repartie. Eh bien, ouais, c'était formidable. Caroline qui était aux États-Unis, Toyette qui était à Taïwan et qui ont peint en même temps que vous tous, que nous, un peu partout. C'est formidable, ça. C'est le plaisir. Ouais. Partager le plaisir de peindre. That's wonderful to be able to share the pleasure of painting from everywhere around the world. That's the Sennelier Monday Live. C'est ça, le Sennelier Monday Live. Merci beaucoup, Véronica. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Thank you, Véronica. And thank you all to follow this live. I give you a new appointment. New rendezvous next Monday for a new Monday Live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, same hour, for a new Monday Live. I hope you enjoy this live. Thank you very much. Merci, Véronica. Oh, merci. Bravo, Thierry, Caroline. Super. Oh, écoutez, ma petite aquarelle, c'était juste le plaisir de commencer par... vous voyez, le noir a migré, là. Hein. Je vais y revenir. Mais commencer par les couleurs les plus claires, the first... shade, light shade
firstly, and then we add more and more pigments. C'était ça l'idée, hein, commencer par les couleurs les plus claires et puis ajouter de plus en plus de pigments. C'est ma façon de faire, il y en a plein d'autres. That's the way I do, but there's many ways of painting with watercolors. Many other ways with very good artists. You can see on YouTube, you can find many other demos. Sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup d'autres types de démos. Ça, c'était ma façon de faire. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Merci, Véronica. À la semaine prochaine, j'espère. Merci oui, à tous. Valentine. Merci. Au revoir.